Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors non, je vais pas rester avec la capuche sur la tête pendant toute la vidéo, c'est juste que je le trouve trop mignon ce petit pull là et la petite capuche aussi. Et j'avais froid ce matin donc je me suis mis un pull bien épais. Mais voilà, donc je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un unboxing. Si vous me suivez sur Instagram, je vous avais dit qu'il y aurait justement une vidéo comme ça en partenariat avec un grand site de matériel pour loisirs créatifs. Et du coup, bah, vous avez vu le titre, donc vous savez de qui je parle. Il s'agit du site Perle & Co. Ça fait plusieurs années déjà que je le connais et bah en fait je commande de temps en temps sur ce site là, principalement pour la pâte polymère et surtout la marque Cernit. Mais j'ai aussi acheté des perles Miyuki à une époque parce que j'en faisais. Aujourd'hui j'ai vraiment très envie de recommander des perles mais j'en fais pas donc j'attendrai, autant acheter du matériel qui va me servir. Si vous ne connaissez pas Perle & Co, c'est un grand site donc de matériel pour loisirs créatifs, comme je l'ai déjà dit, et vous pouvez retrouver de nombreuses références, et pas seulement pour la pâte polymère, si je me trompe pas, parce qu'il y a des catégories du coup que moi je visite pas parce que c'est pas mon domaine, mais vous avez pour le scrapbooking, vous avez du tissu aussi. Vous pouvez donc par exemple faire vos masques, puisque en ce moment on est en plein dedans. Je vais tricher un petit peu parce que j'ai mis l'ordinateur à côté, donc bah, y a beaucoup de perles, dont les perles Miyuki dont je parlais tout à l'heure, mais il y a énormément d'autres perles. Il y a tout ce qui est après pour bijoux, donc vous avez les anneaux, la chaîne, les fermoirs, enfin vous avez tout ce qu'il faut pour créer des bijoux en n'importe quelle couleur, que ce soit argenté, doré, bronze, et j'en passe. Vous avez aussi du coup de la laine, tout ce qu'il faut pour la résine, déco, do it yourself, support à customiser, papeterie créative, Beaux-arts, une catégorie enfants, librairie, il y a des kits, tout ça, enfin voilà. C'est un site qui regroupe énormément de choses. Et comme je vous disais, moi j'achète ma pâte Cernit principalement là-bas pour plusieurs raisons, parce que bah, tout simplement la pâte polymère, quand vous regardez sur des sites différents, elle est jamais au même prix. Et en fait sur Perle & Co c'est le moins cher que j'avais trouvé, donc j'ai commandé là-bas, puis bah, par la suite j'ai continué. Deuxième raison, à partir de 50 €, vous avez les frais de port offerts, à condition que ça pèse moins de 1 kg. Mais bah, frais de port offerts, c'est toujours ça de prix. Et troisième raison, qui est un petit plus, mais qui est toujours bien sympathique, c'est que par rapport au montant de votre commande, vous avez un cadeau. Donc ça commence à partir de 15 €. Pour 15 €, vous avez un cadeau surprise. Vous pouvez prendre 3 fois le cadeau. Donc en gros, si vous avez 45 € de commande, vous pouvez prendre 3 fois ce cadeau surprise, parce que 15, 30, 45. Mais vous avez d'autres cadeaux aussi, ça doit être à partir de peut-être 25 €, 30 €, enfin je sais plus, je suis plus sûre des valeurs. En tout cas, à partir de 50 €, vous avez aussi un cadeau, et il doit y en avoir un à partir de 100 €, sachant que la valeur des cadeaux, elle augmente selon le prix de votre panier. Mais vous avez toujours, si les cadeaux proposés ne vous intéressent pas, le petit cadeau surprise à partir de 15 € et que vous pouvez prendre 3 fois. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, ce site-là bah, me convient parfaitement. La livraison est toujours rapide et j'ai jamais eu de soucis, donc je vous le recommande fortement. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, et de toute façon, je vous mettrai aussi le lien des produits que j'ai reçus. Donc c'est sous forme de liste, vous cliquez sur le lien et vous aurez tous les produits que j'ai reçus. Au passage, avant d'ouvrir mon paquet, je remercie encore fortement Lucie, qui est une personne vraiment très gentille et avec qui bah, le contact est vraiment facile. Donc merci mille fois Lucie, et bah, j'espère que cet unboxing te plaira. Donc c'est parti, on va commencer. Donc, je vais essayer de vous cacher. Voilà. Ça arrive toujours comme ceci, donc dans un carton plus ou moins gros, ça dépend de votre commande, là voilà l'épaisseur. Et donc il y a toujours les petites étoiles de Perle & Co, hein. Ça c'est le logo de Perle & Co. D'ailleurs j'ai vu qu'en ce moment, pour Octobre Rose, ils font des étoiles, que ce soit en tissage et je crois dans d'autres matériaux. Et si vous leur envoyez des étoiles, il y a un don qui sera fait aux associations pour la lutte contre le cancer du sein. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, c'est vraiment une très belle démarche. Donc j'ai juste avec un scalpel coupé autour pour le scotch, et donc à l'intérieur c'est comme ceci, donc avec le petit papier Perle & Co, et voilà. Attendez, je vais pas vous montrer tout de suite,
Sinon, il n'y a plus de surprise. Alors, du coup, j'ai pris de la pâte cernite, puisque c'est principalement mon domaine. Et je suis partie sur la cernite, la gamme métallique. Si vous ne savez pas, depuis le 24 octobre, il y a 7 couleurs de cernite métallique qui sont sorties. Elles sont juste magnifiques. Il y a du rouge, du jaune, du violet, du bleu, un superbe blanc. Enfin voilà, il y en a 7 nouvelles. Elles sont au prix de 2 € et elles sont vraiment trop belles. Il va falloir que je me les procure un jour parce qu'il y a de très belles choses à faire avec. Donc du coup, pour le moment, je suis avec les anciennes couleurs qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai pris la couleur bronze antique, donc numéro 59 en métallique. Donc cette gamme là, elle est vraiment chouette parce que elle fait un effet mais brillant, juste magnifique. Vous pouvez faire la technique du Mica Shift avec, ça va marcher super bien. Et le rendu est encore plus joli quand vous faites une finition, donc soit un ponçage, lustrage, mais aussi de la résine ou du vernis, ça rend super beau. Donc voilà, j'ai d'abord pris la couleur bronze antique, la couleur champagne numéro 45, qui est un petit peu beige, elle est sympathique aussi celle-ci. Donc on est dans des couleurs automnales, hein, du coup c'est cette saison. La couleur or antique numéro 55. Ah, elles sont toutes jolies, mais après la cuisson, c'est vraiment encore mieux. La couleur rouille numéro 775, donc qui se rapproche beaucoup du orange. Hein, c'est comme un orange, mais avec le côté brillant, métallique en plus. La couleur cuivre numéro 57, qui elle se rapproche un petit peu du rouge, c'est un petit peu un entre-deux, entre du rouge et orange, on va dire, c'est un rouge orangé. Et pour continuer, enfin pour terminer du coup dans mon colis avec la cernite métallique, j'ai pris la or rose, qui est vraiment super jolie. Un rose clair, quoi, mais vraiment très beau. Ensuite, du coup, pour peaufiner le tout, j'ai pris du blanc et du noir, donc le blanc numéro 27 et le noir numéro 100, qui sont deux couleurs on va dire qui sont vraiment importantes parce que j'en utilise vraiment tout le temps ou quasiment tout le temps, donc c'est le genre de couleur qui disparaît vite de mes tiroirs. Ensuite j'ai pris du coup ce qu'il fallait pour créer un bijou, parce que je vais faire un bijou avec cette commande là, enfin je vais pas vous en dire trop pour l'instant. Et j'ai pris ce qu'il fallait. Je vais faire donc un colis. Voilà. Disons que j'ai pris le gabarit qu'il fallait. Donc c'est le gabarit pâte polymère mosaïque. Je vais faire le collier qui est en dessous. Et là vous ne verrez pas. Enfin bon, il est ici. Il y a le gabarit de deux colliers. Donc voilà, c'est super pratique les gabarits. Enfin franchement, c'est génial. Donc il n'y aura plus qu'à s'y mettre. Ensuite, donc j'ai pris ce qu'il fallait. Arrivé dans une petite pochette comme ça, c'est le nécessaire pour la création du collier que je vais réaliser donc dans la couleur bronze, puisque comme je vous disais, on est en automne et du coup ça va bien avec la saison. Donc j'ai pris des anneaux en 9 mm, oui c'est ça, une couleur bronze, des anneaux cette fois-ci en 4 mm. Alors les 9 mm il y en a 25. Les 4 mm, il y en a 50. J'ai pris une petite chaîne d'extension avec la petite goutte à la fin. Et donc le mousqueton, forcément. Il faut bien fermer le collier d'une certaine manière. Et puis la chaîne hein, pour le collier. Donc j'ai pris en petit anneau comme ça parce que c'est vraiment le style de chaîne que j'aime bien. Ensuite, j'ai pris ce petit outil qui est un mandrin à main, c'est pas facile à dire. Donc c'est un outil pour percer en fait une fois que la pâte polymère est cuite. Parce que donc quand je fais mes bijoux, soit je fais les trous avant la cuisson avec un outil pointu, ou soit je les fais après avec une machine, une dremel. Et là en fait, s'il y a vraiment juste un petit trou à faire, ça évite de sortir la dremel pour si peu, et ça permet de percer après cuisson. Et du coup, il y a plusieurs tiges d'épaisseur différentes. Donc voilà, ça fait un moment que je voulais essayer et je trouve ça super pratique. Donc voilà, je vais pouvoir essayer puis vous dire ce que j'en pense. Ensuite j'ai pris un cutter à lame pivotante, donc c'est pareil, ça m'a l'air super pratique justement pour les découpes dans les gabarits. Parce que la lame donc elle pivote comme,
C'est indiqué sur le titre, hein, sur le paquet. Il y a deux lames de rechange à l'intérieur et donc de ce que je vois, bah, elles sont toutes petites et bah, c'est vraiment super, c'est vraiment pas mal. Donc c'est pareil, c'est à tester, mais ça m'a l'air vraiment super. Donc tout ça, ça va être pour le montage du collier et comme finition, ce coup-ci, je vais pas mettre de vernis, je vais pas mettre de résine. Je vais vous montrer la méthode du ponçage, polissage et lustrage. Donc j'ai pris des feuilles comme ceci pour poncer. Donc il y a différents grains, là c'est du 1000, donc ça c'est en grande feuille. C'est arrivé dans une petite pochette comme ceci. Il y a aussi du grain 2400, du grain 4000 et du grain 8000. Donc en fait plus le chiffre est gros, moins ça frotte en fait, c'est de plus en plus doux. Et justement on commence par le chiffre le plus petit, ça gratte fort, et on va jusqu'au chiffre le plus grand. Et à la fin on a vraiment une surface du bijou qui est impeccable et qui est prête à recevoir justement le polissage. Donc du coup vous verrez l'utilisation de ces feuilles de ponçage dans ma vidéo bijoux. Et pour le lustrage, je le ferai aussi avec ma Dremel et un embout en flanelle. Donc voilà pour cet unboxing qui du coup bah, me plaît beaucoup. Alors la gamme métallique chez Cernit me plaît énormément. Enfin moi j'adore les paillettes et tout ce qui brille. Donc forcément quand elle est sortie, elle était faite pour moi. J'ai hâte, comme je vous disais, de pouvoir commander les autres pattes de la gamme parce qu'elles sont magnifiques. Là en fait actuellement c'est principalement des couleurs comme ceci justement, un peu automnales qu'on avait chez en métallique. Donc de l'or, du bronze, il y en avait d'autres, mais on n'avait pas forcément de couleurs flashy. Et là le fait d'avoir mis un super rouge, un jaune, un bleu, un violet, c'est juste magnifique. Et en plus un blanc, et ça permet en fait à partir de ces couleurs là de faire plein de mélanges. Et bah, comme d'habitude, de toute façon, avec la Fimo et la Cernit, les possibilités sont infinies. Voilà, voilà, donc encore merci à Perlenco et à Lucie pour ce superbe partenariat, pour ce très joli colis. Comme je vous le disais tout à l'heure, la liste du matériel est en barre d'infos, mais franchement, n'hésitez pas à visiter le site Perlenco. Il y a énormément de choses dessus, vous trouverez forcément de quoi vous plaire. Et comme je vous disais, les prix sont de toute manière dans les plus bas que ce que j'ai pu voir, parce que bon, j'en ai fait des recherches hein, au début quand on commande du matériel et que c'est juste un loisir, forcément on cherche le prix le plus bas. Je pense que tout le monde est pareil, et ce site là voilà, j'ai jamais été déçue niveau prix, niveau qualité, niveau délai, enfin voilà, j'ai jamais eu aucun souci. Bon, je vais arrêter de parler sinon la vidéo va durer encore 20 minutes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de contenu. Et surtout, n'hésitez pas parce que ça me fait vraiment plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui sera peut-être pas sur la pâte polymère d'ailleurs. Je sais pas dans quelle heure je vais les poster. En attendant, faites bien attention à vous, protégez-vous et protégez aussi les autres puisque l'épidémie n'est pas terminée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.